Parce qu'on... Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire de l'École des loisirs. Si vous souhaitez intervenir pendant la rencontre, vous pouvez le faire en ligne et par écrit. En attendant, nous sommes en ta compagnie, Nadja. Merci de nous accueillir chez toi pour les 30 ans de Chien Bleu. À cette occasion, sort une édition collector. Ça y est, elle me l'a déjà volée. Une édition collector augmentée d'un cahier inédit des dessins préparatoires, c'est-à-dire des coulisses de l'histoire. L'histoire qui raconte, est-ce que c'est utile de le rappeler, l'amitié entre Charlotte et Chien Bleu. Alors, quel effet ça fait d'avoir cette édition anniversaire devant toi aujourd'hui? Ça me fait très plaisir parce que j'ai enfin un rêve exaucé, c'est-à-dire d'avoir un livre comme j'avais quand j'étais petite. J'avais des livres anglais, il se trouve que c'était anglais, qui étaient reliés en toile avec le dessin comme ça, en, je sais pas comment, au fer, en foncé ou en relief. Et voilà, c'est une espèce de clin d'œil à ma propre enfance. Et comment est-ce qu'il est né, Chien Bleu? Chien Bleu, c'était un chien qui existait vraiment chez des amis. Et je l'aimais beaucoup, c'était un grand labrador noir et on allait se balader ensemble et tout. Et quand il me regardait, j'avais vraiment l'impression que c'était une espèce de, tu sais, les chiens comme ça. Il y a une espèce d'amour infini et en même temps de sagesse. Et voilà, donc il m'a inspiré cette histoire. Tu te dis quelque chose qui est très touchant dans ce cahier là dont on parle, que vous allez voir à l'écran, sur le pelage de Chien Bleu, parce que ce chien que tu as rencontré, il était noir. Il était noir, tu sais, le poil des labradors qui est noir, tellement brillant, ça pourrait être bleu presque. C'est ça, à mon avis, qui a déclenché le truc pour exagérer, parce que bon, en peinture, on exagère toujours les choses. Enfin, c'est pas naturel. La couleur, enfin, je veux dire, elle n'est pas comme dans la nature. Et c'est allé encore plus loin et c'est devenu le bleu, c'est un bleu cobalt qui est un bleu que j'adore, hein, qui est très, très beau, qu'on peut pas fabriquer, qui n'existe que comme ça, tel quel. Ouais. Et dans ce cahier inédit, donc, tu as... placer des dessins préparatoires ainsi que des oui, ça c'est ce que j'appelle le storyboard. Montre ce storyboard parce qu'en fait à un moment donné j'ai voulu faire un film avec Chien Bleu et au départ c'était un dessin animé, j'ai travaillé avec un producteur etc, mais ça s'est pas bien passé. Je n'étais pas contente de notre collaboration et donc ça ne s'est pas fait. Mais moi, j'avais dans l'idée de, quand on a commencé à travailler dessus, pour écrire le scénario, j'ai eu besoin de recommencer toute l'histoire scène par scène. Et j'y suis allée carrément à la gouache et tout. Et voilà, et ça donne des images que aujourd'hui, je ne renie pas, que j'aime bien. Ouais, on te comprend. Au fond, je me disais que Chien Bleu, il t'a accompagné une partie de ta vie, comme il accompagne Charlotte dans le livre. C'est un fil conducteur. Oui, parce qu'il symbolise l'amour. Donc, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui m'a accompagné toute ma vie et fidèlement, qui m'accompagnera toujours. Alors, depuis deux générations déjà, nombreux sont ceux chez qui Chien Bleu a laissé une trace profonde. On va écouter le point de vue des enfants dans un reportage signé Eduardo Redondo. Très bien, regardez. Thank you.
pas réveiller l'esprit des bois. Donc la méchante, c'est comme une fumée noire méchante qui vient de la forêt. Qui est entré dans ma forêt sans ma permission ? Gronda-t-il, transformé en panthère noire. Il se glissa silencieusement à travers les herbes. À la lueur du feu, il aperçut Chien Bleu et la petite fille endormie à ses côtés. « Misérable chien !» s'écria la panthère furieuse. « Tu crois que tu m'empêcheras de me saisir de mon bien ?» La panthère, elle arrive. Ouais. Et du coup, lui, il saute sur la panthère. Et après, il se bagarre. Et ça se bagarre. Elle semblait terrifiée. Sa voix tremblante supplia. « Tu as gagné, laisse-moi partir !» C'était le jour qui faisait peur à la panthère. Et juste après, le jour, la panthère ne pouvait que apparaître la nuit. Et du coup, le chien s'est endormi. Du coup, la petite fille l'a réveillée. Ils sont allés à la maison. Elle a dit, je suis là, maman, papa. Du coup, ils ont dit, comment on va l'appeler ce chien ? Elle a dit, il s'appelle Chien Bleu. Et voilà. Ça t'a plu, l'histoire ? Oui ! Alors, ça parle de quoi, à ton avis ? Ça parle de quoi ? Du chien bleu. Ouais, et qu'est-ce qu'il fait, le chien bleu ? Il sauve la petite fille. Il sauve la petite fille de quoi ? De la forêt. La panthère, surtout. Elle me fait un petit peu peur, la panthère, et aussi la forêt dès qu'elle s'est perdue. Les gens qui ont créé ce livre, ils l'ont mis en bleu, parce que c'est un truc de conte, quoi, parce que c'est pour faire pour que les enfants, ça leur plaise, parce que si c'est un chien marron qui rencontre une petite fille normale. Je sais pas pourquoi, mais on a voulu dessiner un chien bleu. Moi, pour moi, ça représente un peu la couleur de l'amitié. Parce que c'est vrai que Chien Bleu, il est ami avec Charlotte. Du coup, c'est un peu pour ça, moi. L'histoire, elle est très belle. Et que... J'aime beaucoup l'histoire et les images. Je lui poserai la question, pourquoi le chien est bleu ? Il m'a jamais écouté. Moi je dirais que ça m'a beaucoup plu. Et Céline, je crois que ça t'a plu ? Oui ! Il faudrait lui demander en vidéo et tout ça, hein, mais ça prend du temps. L'une des fillettes explique que Chien Bleu sauve Charlotte de la forêt. C'est intéressant cette réponse, je trouve, parce que cette petite fille, elle a bien en tête que l'esprit des bois est la panthère. Oui, c'est-à-dire qu'elle la sauve de la forêt. Elle ne dit pas de la panthère. Mm. Et oui, parce que la forêt était vraiment le lieu de l'inquiétude et de l'inconscient. D'ailleurs, la petite fille dans le livre est en train de dormir. Alors, est-ce que c'est son rêve ? Est-ce que c'est un cauchemar ? On ne sait pas trop. On ne sait pas. On sait pas trop. Et est-ce que l'esprit des bois rôde toujours ? Encore ? C'est... Cornadja. Je pense qu'il rôde pour tout le monde. Il est là. Est-ce que tu vas y céder ou pas ? Est-ce que tu... C'est l'inquiétude, l'angoisse, je pense. Et aussi... Les mystères, en général. Quand Chien Bleu paraît en 1989, il marque l'entrée de la peinture dans l'album et il bouleverse notre regard sur le livre pour enfants. Qu'est-ce que t'a apporté l'écriture pour les enfants, précisément, Nadja ? C'était très intéressant pour moi de passer d'employer ce que je savais faire en peinture, enfin, que mes recherches, disons, pas sérieux, je veux dire, de l'appliquer à un récit. D'abord, j'ai toujours énormément respecté les livres pour enfants, dans le sens que c'est
les contes de fées, etc., ce n'est pas des livres pour enfants, c'est l'histoire de l'humanité. Donc, ça me paraissait très agréable de pouvoir lier les deux. Mm-hmm. Et quelle enfance as-tu eu? Et quelle enfance as-tu eu d'abord? Et puis ensuite, quel regard portes-tu sur l'enfance? Qu'est-ce que c'est l'enfance pour toi? J'ai eu une enfance très, très agréable, très heureuse. Mes parents nous aimaient beaucoup. Et ma mère était très, très artiste. Elle faisait elle était tout le temps en train de peindre et de dessiner. Et nous aussi, de par ce fait. Alors, et mon père nous apportait des livres et tout. Donc, on était très stimulés. Il faut rappeler quand même que tu es la sœur de Grégoire Solotareff, la fille de Olga Lecaille, et que tout le monde a fait des livres dans cette famille. Oui. Presque. Oui. Et l'enfance alors? Qu'est-ce que l'enfance représente? Est-ce que c'est un socle? Est-ce que c'est une pulsion de vie? Est-ce que c'est une fondation? L'enfance, c'est le moment où tout peut arriver, où c'est avec ce que ça a d'effrayant et de merveilleux aussi. Donc, pour moi, c'est un lieu, c'est très riche, très, très dense. Il y a là aussi l'innocence, le manque de référence qui fait que tout est nouveau. Mm-hmm. C'est comme ça que je pourrais répondre à ta question. En tout cas, tu vas souvent puiser dans ce temps de l'enfance. Tu veux dire de ma propre enfance? Oui, il m'arrive souvent de m'imaginer moi, mais je trouve, disons que je suis l'adulte qui regarde l'enfant que j'ai été et j'essaye de me souvenir, ça c'est un effort d'imagination, d'être à nouveau cet enfant-là. Mm-hmm. Alors, souvenez-vous dans cette scène où Chien Bleu, tout croc dehors et griffe en avant, je redis le texte exactement, se bat contre la panthère. Parmi les peintres qui t'ont inspiré, il y a Eugène Delacroix. Pourquoi? Oui, d'abord, c'est merveilleux de couleurs, de lumière et de force. Et puis, ces scènes de bagarre avec les panthères, les lions qui sont des sortes de pochades sont très belles. Donc, il m'a beaucoup inspirée. Alors, regardez, nous nous sommes rendus au musée de la Croix à Paris, place de Fürstenberg, et Nadja, comme si elle était chez elle, nous a guidés dans cette maison-atelier du peintre. J'adore l'idée que de la Croix a respiré là, a pensé là. Ce qui me touche vachement, c'est l'économie des choses. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de des gros paquets, etc. Il dispose très régulièrement, avec parcimonie, toutes ses couleurs. Et devant, tu vois le... Oh là là, ce que c'est mignon. Tu vois ces mélanges. Il prend un petit peu de jaune de nappe, un petit peu d'ocre de Mars, tout ça, et il les mélange devant. Donc il a tout sa gamme, quoi. Il fait sa gamme. Quand tu peins une bagarre, c'est comme une scène érotique. Tu peux pas tricher. Tu peux pas être mou. Il faut qu'on sente la lutte, les muscles, etc. Mais ça, c'est justement, la tension du fauve qui s'apprête à bondir. Et c'est comme, c'est une tension particulière, mais qu'on retrouve dans d'autres moments de la vie. C'est très joli, c'est la façon dont il a dessiné la tête d'un panthère. Mais tu vois, c'est léger comme facture. C'est le contraste. Jamais tu aurais l'impression qu'elle est nue s'il n'y avait pas toute cette ombre autour. Et toi, quand tu utilises le noir,
C'est pareil, mettre en valeur, pour mettre en valeur, pas le noir, mais le foncé, disons. Ouais, parce que tout, là, dans l'exemple que tu m'as montré de la forêt, il n'y a pas un noir, là non plus, c'est que des ocres, tu vois. C'est que des ocres, en fait, qui donnent cette impression de sombre. Ou des terres, plutôt que des ocres. Ouais. Mais c'est le principe, tu vois, je veux dire, on est dans une grotte, il y a du feu. Regarde, il y a extrêmement peu d'endroits lumineux. Ouais. Tout est dans. C'est une question de valeur. Tu vois, c'est magnifique. Tout est dans la même valeur, presque, pour qu'apparaisse le feu. Quand il fait un bras musclé ou une jambe, un geste, tu vois, dans la jambe qui est posée comme ça, il sent la jambe. Enfin, il est sa main avec le pinceau au bout, fait le mouvement de la jambe. Il n'y a pas de différence, quoi. C'est plutôt dans ce truc-là ou dans ce où on ressent, si tu veux, tous les mouvements et les efforts. Et c'est assez, tu vois. Et puis ce qui se joue. Que j'ai copié d'un de. Enfin, plus ou moins, un tableau qui n'est pas là, mais il y a un moment donné, il y a une bagarre avec une panthère, et j'ai chopé ce mouvement-là, tu vois, cette espèce de. Parce que ça m'aide de regarder un truc qui est merveilleusement dessiné. Mais tu vois, ça c'est. Regarde comme il est beau. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir lire une palette et la commenter, n'est-ce pas, Nadja ? Et tu le fais aisément. Delacroix disait « La couleur est par excellence la partie de l'art qui détient le don magique. » Alors, j'avais envie de te demander comment les couleurs prennent en charge, est-ce qu'elles prennent en charge et comment une partie de la narration dans une histoire ? Oui, c'est super intéressant que cette histoire de don magique de Delacroix, parce que c'est comme si c'était plus que la nature. Enfin, c'est les couleurs, c'est ce qui est en plus du côté réel. Mm-hmm. Parce que, en fait, moi, je suis pas une très grande coloriste. Je suis plutôt une dessinatrice. C'est-à-dire que pour moi, ce sont surtout les lumières et les ombres, les contrastes qui font agir quelque chose. Et la couleur, c'est comme un truc en plus. C'est-à-dire que c'est comme un choix en plus. Dans un film, par exemple, tu choisis telle gamme de couleurs, tel type de... Tu vois, j'adore les technicolores à cause de ça, parce que la couleur est vraiment gamberger à part et vraiment travailler. Et c'est un peu comme ça pour moi. Alors, livres. Précisément dans Chien Bleu, est-ce qu'on peut regarder ensemble l'album? Oui, bien sûr. Parce qu'on passe d'une palette très sombre au début à, au contraire, à cause de la lumière, une palette beaucoup plus claire. On passe de la forêt. Des images de la forêt très sombre à cette image merveilleuse de, je pense, très forte pour les enfants où Charlotte chevauche Chien Bleu. Oui, après, mais une gamme de verts qui est fascinante parce que qu'est-ce qu'elle traduit cette palette de verts là. Bah, le vert, c'est la tranquillité. Je crois d'ailleurs que c'est un truc qui est reconnu comme tel.
C'est quelque chose qui calme l'esprit. Mmh. Et ouais, voilà. Pour revenir à la couleur, le titre dit bien ce qu'il dit, c'est-à-dire que le chien est bleu et pas noir. Donc, ça a ce côté de don magique dont parlait de la croix. Mmh. C'est-à-dire, c'est la magie. Normalement, les choses ne sont pas très colorées. Hein. Le bois est couleur bois, la peau est couleur peau. Il n'y a pas, à part les choses artificielles, il y a peu de couleurs dans la nature, en fait. Mm. C'est très... et donc, quand tu fais un truc en couleur, tu choisis le parti. Moi, j'ai choisi le parti d'avoir un chien bleu, donc tout était en contraste par rapport à ça. Là, l'image où elle court sur son dos, l'herbe est jaune, le ciel est rose. Ça, c'est pour l'histoire de contraste. Alors, à quel moment de ta vie as-tu su que tu te consacrerais principalement, parce que ce n'est pas la seule expression artistique que tu utilises, mais quand as-tu su que tu te consacrerais principalement à la peinture? À quel moment et comment? C'était à l'adolescence, en fait. Je dessinais beaucoup, parce que dans notre famille, on dessinait tous, tout le temps, en tant qu'enfant. Et j'ai eu entre les mains un livre ou un dessin de Picasso. Et ça m'a paru tellement libre. Enfin, ça a été un choc. Je me suis dit, on n'est pas le dessin, ça peut être vraiment, on peut aller dans tous les sens, tout est libre, oui. Tout est ouvert. C'est pas forcément quelque chose de réaliste ou de qui représentait la réalité, oui. Et il fallait que ça soit ressemblant. Et ça m'a ouvert un truc dans la tête. Ah. Et c'est là que j'ai décidé de faire la peinture. Je m'en souviens. Et que tu l'as fait. Et que j'ai fait. Et que tu as choisi la gouache. La gouache, ça c'est plus tard. Oui, parce que c'est des... Au début, j'ai fait les premiers livres que j'ai fait, c'était Momo, etc. C'était plutôt aquarelle. Donc, j'ai eu cette espèce de désir de gouache pour le côté sensuel de cette matière. Parce que l'aquarelle, il faut te dire, est une matière très transparente, où il y a très peu de... Il y a très peu de matière, justement. Alors que la gouache, c'est plus épais. C'est il y a comme, une densité, c'est très... on pourrait dire. Une densité. Il y a une densité. Ouais. C'est comme de la crème, mm-hmm. la gouache. Mm. Donc, c'est à manipuler, c'est très agréable, mm-hmm. très sensuel. Mm. Alors, il y a une des petites filles qui dit également dans le reportage que... Ça lui fait penser, la couleur bleue lui fait penser qu'il s'agit d'un conte. Hein oui. Et tu aimes particulièrement les contes, tu aimes jouer avec les contes, avec ton frère Grégoire Solotareff, ça a donné Anticonte de fées, etc. Et puis, cette série-là des princesses, la petite princesse nulle, l'horrible petite princesse. Pourquoi est-ce que tu aimes tant cet art du détournement ? Qui n'est peut-être pas un détournement, comme tu me le disais avant que commence cette rencontre. En tout cas, jouer avec oui. les contes, hein, c'est ça l'idée. Moi, je trouve ça naturel. C'est-à-dire que je trouve que le fait même d'écrire, c'est une espèce de continuation de toute l'histoire de la narration, du récit colporté de personne en personne. Oui. Et le conte de fées étant quelque chose, les choses les plus profondes, les récits les plus anciens, aussi bien que les mythologies, c'est l'explication du monde par les hommes qui se transmettent et se répètent et se répètent et se répètent. Et finalement, j'imagine qu'à un moment donné, ils ont commencé à rigoler avec ça. Et je pense qu'on fait pareil. C'est la suite. C'est naturel. Oui, et je crois que les contes, ce sont des récits basiques, en fait, qui sont aussi forts que
Oui, que, comme je te dis, les mythes et légendes, des grands gestes comme Tristan et Iseult, c'est ça, qui sont vraiment, qui sont répétés et qui sont, oui, très profonds en nous. Et c'est quelque chose que vous faisiez naturellement également en famille, quand vous étiez enfant, Grégoire, sur le Taref et toi. Raconter des histoires, il y en avait un qui dessinait, l'autre qui écrivait. Bah oui, très tôt, on a, sans doute à cause de l'exemple de ma mère qui nous faisait des livres à nous. Donc on la voyait plier les feuilles, coller, etc. Et fabriquer un livre. Donc on faisait pareil. Mmh. On se faisait des livres. Alors, dans cet esprit des contes, là, des contes, des anticontes de fées, etc., tu nous as concocté une vie cachée du Père Noël. Ça s'appelle Le Fils du Père Noël. Ça sort le 11 novembre. C'est drôle, irrévérencieux, et on aime encore plus le Père Noël après. Mais, stupeur, on n'avait pas imaginé qu'il pouvait avoir une autre vie. Comment c'est venu cette idée d'un fils du Père Noël ? Aucune idée. c'est l'histoire. On ne sait pas ce qui te travaille, et puis tout d'un coup, tu te réveilles le matin et t'as une petite vision. Ouais, et ça m'a fait marrer de penser que le Père Noël n'était pas si nickel que ça. Il avait fait des trucs un peu, dans sa vie, malicieux, pas très net. Ouais. Alors, regardez, le Père Noël reçoit un cadeau. À l'intérieur, il y a un enfant. Et ce qui est fascinant, c'est que cet homme a une cabane magique. Est-ce que tu peux nous parler de cette invention inouïe ? Inouïe. Bah, tu es dans la cabane du Père Noël, c'est une cabane normale. Et puis, fait, tu te lèves, tu ouvres une porte qui donne sur un couloir, où il y a plein de portes, qui donne sur des couloirs, qui donne plein. C'est une cabane sans fin, où les pièces se découvrent au fur et à mesure et sont celles que tu as besoin, dont tu as besoin justement à ce moment-là. Voilà. Génial. Donc c'est la cabane du Père Noël quand même. Oh, je veux dire. Ça peut pas être n'importe quel. Tu souhaites la salle des conférences et la salle des conférences apparaît. Oui. Et si tu te gourres et tu dis la salle des et il peut y avoir une salle des confiseries. Des confiseries. Voilà. Et parce que dans le système, il y a eu un bug. Ah, écoute, tu nous lis le début. Chapitre 1. Un jour, le Père Noël reçut un paquet. Voici comment cela s'était passé. Il était tranquillement assis dans son fauteuil à regarder sa série favorite, Lutines en folie, quand Alfred, le lutin en chef, avait toqué à sa porte. Alfred s'était lui-même nommé ainsi en hommage à un célèbre majordome anglais auquel il vouait une admiration passionnée. Il était également le secrétaire particulier du Père Noël. Du moins, ainsi en avait-il décidé. En entendant frapper, le Père Noël glissa négligemment son paquet de biscuits de Noël sous son coussin. Alfred surveillait aussi son poids d'un œil vigilant et mis sur pause. Merci. Au fond, cette histoire, c'est une démystification du Père Noël, mais aussi une histoire d'amour filiale. Ce n'est pas une démystification totale. Non, disons, on a le droit de remettre en question ses parents. Le Père Noël, après tout, c'est un père. Et après tout, donc, oui, c'est un père. Il faut le remettre en question. Ah. Mais c'est une histoire d'amour filial, vraiment. Oui, finalement. Oui, parce que, de certaines façons. Bon, ben merci, Nadja. Nous arrivons à la fin de cette rencontre. Des questions ont été posées, je crois, pendant son déroulement. Une question. Des questions et que des gens qui disent que c'est magnifique. Alors, pas de questions pendant cette rencontre, donc c'est l'heure des cadeaux. Nous avons procédé à un tirage au sort et je vais bientôt vous dire le nom des gagnants. Et les gagnants gagneront une édition collector dédicacée dans quelques instants par Nadja. Attention, oh ben non, mais c'est Nadja qui va lire les gagnants. Les gagnants sont... Alors,
Alice Bonnefoy, Elisabeth Figuet. Et c'est la classe de CPCE1. Et c'est la classe de CPCE1 de Masson. Alors, attention, c'est parti. Pinceau. Donc, je vais à ma table. Oui. J'ai combien de temps en fait pour. Tout le temps que tu veux. Ok. Est-ce qu'on peut te parler pendant que tu... Ben oui, justement, je me demandais où est-ce qu'on en était avec le texte. On peut te parler, alors. Bon. Tout à fait. Combien tu en as dédicacé dans ta vie, des chiens bleus pour... Aucune idée. Incroyable, non? Oui et non, parce que, en fait, je ne vais pas très souvent dans les librairies. Et... Mm-hmm. Donc... quand vous avez un chien bleu dédicacé, c'est vraiment un collector. Non, c'est vrai, c'est assez rare. Et c'est toujours à la gouache? Je crois qu'au début, je ne faisais pas ça, mais depuis un moment, je fais ça. Je trouve ça ben, c'est sympa d'avoir une vraie petite peinture. Ah ben oui, on a tous envie d'en avoir une là. Hein. Ça va faire des jaloux, je pense. Et on voit là, dans cette petite palette là, les couleurs étalées. Oui, c'est pas tout à fait comme ça que je n'ai pas un chien bleu. Hein. Je précise parce que c'est important. Ça, c'est comment dire, c'est de la gouache rapide, mm-hmm. comme on peut dire. Parce qu'une image comme ça, de cette taille-là, pour le livre Chien bleu, j'ai peut-être mis 3 jours à la faire. Eh oui, c'est une autre affaire. Parce qu'il faut que les couleurs soient, remplissent bien la page. Que, enfin, il y a des tas de trucs techniques aussi. Et alors justement, est-ce que tu les avais étalés sur une palette, ces peintures? Est-ce que tu les avais installés sur une palette étalée? Pour le livre, oui. Oh oui, non seulement ça, mais il y a des grandes pages, par exemple, des trucs où il y a des fonds qui sont assez importants. Et dans ces cas-là, tu n'as pas intérêt à manquer de peinture pendant que tu es en train de le faire. Donc, petit pot, essai, etc. Alors, le choix des pinceaux, c'est toujours... Si je n'ai pas les pinceaux qu'il faut, mais c'est l'horreur. Donc, tout ça, c'est un truc matériel, mais c'est super utile, enfin, super important. Et c'est quoi la question, j'ai oublié. Non, c'était ça la question. Et tu peins dans le silence ou avec de la musique? Pas de la musique, parce que la musique, c'est trop... ça me suggère des émotions. Mmh. Et c'est drôle parce que quand je peux écouter la radio et
ça m'est égal que ce soit des... Enfin, ça ne me dérange pas que ce soit des gens qui parlent, qui existent. Qui... Mais par contre, parce que c'est la vie, quoi. Mais la musique, c'est une émotion qui a été travaillée par un artiste. Ben oui. Et c'est comme si j'étais en train, en peignant, si je regardais un autre mec en train de peindre. Je ne peux pas. c'est compliqué. Ouais. Donc, dans le silence, plutôt. Oui. Ce qui n'est pas étonnant. La peinture, c'est quand même quelque chose de Ben, tu te racontes des milliers de choses quand tu peins. Donc, si c'est troublé par quelqu'un qui parle, ou quelqu'un qui chante, tu n'es plus avec tes émotions. Alors, cette dédicace-là que tu es en train de réaliser, elle est pour qui ? Tu as choisi quelle personne ? Pour Alice. Oh, qu'est-ce qu'elle a de la chance, Bonne Alice. Foi. Ouh là là ! Bravo, Alice Bonnefoy. À qui je souhaite à qui tu une souhaites. Merveilleuse vie et bonheur et tout. Protégée par un chien bleu. Par exemple. Par exemple. Puis attention, c'est pas avoir une dédicace, c'est une chose, mais avoir une dédicace qui a été filmée en direct. Voilà. Oui, sûrement. Alors, je vais faire des feuilles à cet arbre quand même. Alors, il faut vous dire que ici, chez Nadja, nous sommes dans son salon, installés dans des fauteuils rouges comme au théâtre. Et qu'il y a des céramiques, parce que notre ami fait aussi des céramiques. Il y a des peintures, des planches qui sont en attente, en cours de réalisation. Voilà, il y a tout ça dans cet appartement atelier finalement. Oui, c'est parce que pour moi, c'est assez... j'aime bien tout mélanger dans ma vie, c'est-à-dire aller faire préparer une salade dans la cuisine, dessiner, regarder une série sur mon iPad. tout ça, ça fait partie de la même musique. Oui. Pas de hiérarchie entre les... Non, et en fait, j'ai eu des ateliers extérieurs et je me suis aperçue que c'était un peu artificiel. À part la place que ça, évidemment, ça te donne plus de place, mais je préfère en fait que ça soit dans la même foulée. Voilà. On est le... 5. On est le 5. Eh bien, voilà. C'est très beau. Toute l'équipe de l'École des loisirs vous remercie pour cette première rencontre en ligne, car vous avez été nombreux aujourd'hui. N'hésitez pas à parler de ce webinaire à vos amis et connaissances. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube dès demain. Merci à Eduardo Redondo à la caméra, à Gaël Moreno à la coordination. Bon courage à tous aussi dans cette période difficile. Sachez que nous avons à cœur d'inventer de nouvelles manières d'être à vos côtés et de vous accompagner. Nous restons disponibles. Bonne lecture à tous et à bientôt. Merci Nadja et bonne vie à Chien Bleu dans sa nouvelle édition.